en route vers le désert. La femme a pris une caisse adaptée à la situation. On était fous de joie. Faut dire, on s'embarquait dans un sérieux bourbier avec notre petite voiture. Elle aurait pas survécu au sable du désert. Heureusement, maintenant, on est tous dans la mégane cabossée couleur foncée. On y est. Lancé pleine balle dans le désert, mais pas plus de quelques mètres plus loin, on se retrouve sous un pont, dans un bouchon. Il y a du sable partout, et de la poussière. Quelques voitures se tassent et se pressent. Le type devant nous, avec son air de méchant de film, sa balafre et sa grande tête carrée mal rasée, ressemble à un militaire peu commode. Il recule, sans se soucier que nous soyons derrière. Le gars emboutit carrément notre caisse. Mais qu'est-ce qu'il fout ? La nuit est tombée. On se retrouve tous en panne, dans la seule station-service du coin. Si on peut l'appeler comme ça. Les voitures sont garées dans la poussière, et nous, on cherche nos marques. J'ai la dalle. J'entre dans la caravane de l'homme et de la femme. Ils sont allongés, prêts à dormir, et ne comptent pas manger. Ils m'envoient tout simplement chier, un peu lassé. Au passage, la femme me demande d'étendre le linge. Et merde, j'ai pas envie. Aussitôt la pensée me traverse, aussitôt je la laisse filer. Après tout, ça n'est pas important. Je me dois de faire des trucs et ce serait bien plus épuisant de résister que de le faire, simplement. Je me casse et passe la porte du mur du terrain. Mais il fait jour de ce côté. Je regarde le ciel ébahi. Je me retrouve dans la longue cour d'une vieille maison. Il y a un tas de personnages, en bas et sur les balcons. Je continue de scruter le ciel, étonné et un peu confuse. Je ne suis pas sûr de ce que je vois. Une vieille sur le balcon m'interpelle alors, en me disant que c'est une illusion, il fait bien nuit. Mais les nuages donnent cet effet. Mes pensées sont embrouillées. Peut-être qu'elle a raison, mais qu'est-ce que je raconte? Je sais encore reconnaître un ciel de jour. Puis-je étendre mon linge ici? Dis-je à une dame en montant les fils de linge sous l'arbre à ma droite. Non, non, pas ici, là-bas. De nouveau, la dame du balcon me parle. Avance et toque à la porte. Madame Tyr va t'ouvrir. Tu dois absolument attendre jusqu'à la fin de son discours pour entrer. Je m'exécute. La femme qui m'ouvre se met à me parler. Mais je ne comprends rien. Elle me saoule. Allez, j'entre. Je me retrouve dans un vieux salon très haut de plafond. Je demande à la dame si je peux étendre le linge. Je ne tilte pas du tout sur le fait que le linge est minuscule. On dirait quelques papiers mouillés et collés, qui tiennent à peine dans ma main. La femme me demande si elle peut m'aider. Contente de me débarrasser de la tâche, je lui dis que oui, et lui tends le linge. Elle le pose alors sur la table pour commencer à le détendre. Ce qui consiste finalement à enlever les petits bouts de papier qui ont collé les uns aux autres. Puis, elle chope un chat qui pousse un miaulement strident et le tamponne sur mon linge. Mais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'habille mon linge. Le papier est maintenant tout imprimé d'encre.
je me réveille.